La maison de la tour de Wepoge commence avec le tout premier comte, un chevalier du nom de Laurent, né en l'an 1040 et qui sauva la vie du roi Philippe. D'après les textes de l'abbé de Sens, il fut un chevalier des plus valeureux ainsi qu'excellent commerçant. Il devint comte à l'âge de 26 ans et chercha à se marier afin d'assurer sa position et sa descendance. Son ami le comte Guillaume d'Auxerre lui offrit sa fille en épousailles, Ermengarde de Bachaumont, ce qui scella leur alliance. En voulant assurer son héritage pour ses descendants, le comte Laurent entama son règne par des mesures renforçant son autorité, taxes sur les ponts, enrôlement des paysans, ainsi que des mesures à l'encontre de ses vassaux. Alain de Dammartin rapporte que le premier mariage du comte fut somptueux et qu'il fut couvert de dons. D'après le chroniqueur tardif Mabillon, le duc Thibaut de Champagne fit pression sur le roi des Francs pour que le comte de Sens lui rende hommage. Ainsi, Laurent de Wepoge changea de maître. La renommée du comte de Sens fit le tour du royaume. Aussi, un grand nombre d'érudits célèbres du XIe siècle ont vécu à sa cour, à l'exemple d'Alain de Dammartin, le poète religieux qui travailla pour Laurent de Wepoge dès 1066. Cependant, le comte n'était pas le saint que l'on nous présente souvent. Il sollicita son chapelain, l'évêque Lekovitch, afin de mettre en avant l'héritage d'une grand-mère, très certainement imaginaire, sur le comté de Montargis. Le comte Laurent de la tour de Wepoge organisa ainsi sa première campagne militaire. Il réunit quelques bannerets, arma quelques paysans et entreprit l'invasion du château Renard. Guillaume d'Auxerre, le beau-père du comte, fit de même et intercepta l'armée de Montargis lors de la bataille de Pouglézeau. Au terme d'un court siège, le comte s'empara du château de Montargis et rentra triomphant à Sens. Son retour fut marqué d'une courte fête, car son épouse mourut en couche en emportant l'enfant, ce qui le laissa sans femme ni héritier. Ce texte d'Enguerrand le Balafré nous renseigne sur la réaction du comte. Le comte fut pris d'une immense tristesse, ainsi que d'une fureur sans pareille. Il reporta sa colère sur son puissant voisin, le comte de Sancerre. Geoffroy de Joinville, probablement son chancelier, rapporte dans ses mémoires que la nouvelle obsession du comte était la fondation d'une famille, à un point maladif. Il avait fait vider sa cour et remarcia même les artistes et poètes. L'année suivante pourtant, le comte épouse une certaine Pasca. Les témoignages qui nous sont parvenus décrivent une magnifique jeune femme, peut-être la plus belle du duché de Champagne. Mais ses origines ne sont pas spécifiées. L'abbé de Sens fait référence à son père, Charles Pasca, sans préciser sa maison. Cependant, Laurent avait trop dégradé les relations avec son voisin, le comte de Sancerre, au point où la guerre était devenue inévitable. La conquête de Sancerre était lancée. Les chroniques guerrières parlent de deux batailles consécutives à Sancerre. Laurent aurait écrasé son ennemi lors de la première bataille et entama le siège du château, ce qui avait amené l'armée de Sancerre à se précipiter pour un second assaut, sans même attendre leurs alliés venus de la baronnie de Joinville. Cette piètre démonstration tactique de la part du comte Gauthier de Brienne lui coûta son titre, qu'il céda à Laurent. Désormais marié et à la tête d'un large territoire, l'ambition du comte rayonne à nouveau sur le duché de Champagne. Nombreux sont ceux qui louent ses compétences et sa bonhomie. Parmi eux, le bourgmestre Thomas, chevalier du duc de Champagne. Ce dernier lui avait promis son soutien lors d'une révolte contre le duc afin d'appuyer les revendications du comte Laurent. Mais le duc était encore trop puissant. Grâce à ses dernières campagnes militaires, il était à présent aussi le premier duc d'Orléans, tout en gardant son titre de duc de Champagne. Il valait donc mieux attendre avant d'attaquer. En l'an 1077, le destin sourit à Laurent de la tour de Wepoge. La comtesse Pasca lui offrit un fils et décida de le nommer d'après lui. Comme chacun le sait, c'est également l'année de la défaite de Guillaume de Normandie dans la course au trône d'Angleterre, au profit d'Harald de Norvège. En 1078, le duc Thibaut meurt et cède donc le duché de Champagne à son fils aîné Étienne de Blois, alors que son fils cadet hérite du duché d'Orléans. La maison Blois est alors plus faible que jamais, et le comte Laurent le sait. Il appelle ses alliés et décide de lancer la révolte pour le duché de Champagne. L'évêque Lekovitch de Sens avait été dépêché avec l'armée du comte Laurent. Ce dernier voulait absolument faire messe avant chaque bataille. Son récit fut précieux pour la reconstitution de la guerre pour le duché de Champagne. Nous savons aujourd'hui que le comte avait rallié à sa cause son allié, le comte de Rethel, mais qu'il avait également fait appel à des mercenaires, franconiens selon l'évêque, lombards selon d'autres textes. Ces mercenaires avaient pourtant tardé à rejoindre les comtes dans leur révolte, et avaient conduit la première bataille de Troyes à une défaite pour Laurent de la tour de Wepoge. Le duc contre-attaqua et décida de faire siège de la tour de Wepoge, lieu de naissance du comte. Furieux, le comte rallia ses troupes et celles de ses alliés à Château-Thierry, prit le commandement de ses armées et marcha vers son fief natal. La bataille fut brève et un franc succès. Les hommes du comte furent galvanisés par cette écrasante victoire,
et suivirent Laurent vers Troyes pour en faire le siège. Mais le duc Étienne de Blois refusa d'admettre la défaite. Il commença le sac du château de Sens et obligea l'armée révoltée à se diviser en deux. L'armée du comte de Rethel resta menacer les murs de Troyes, tandis que l'armée commandée par le comte Laurent vint engager la bataille de Sens. L'armée composée de piquiers et d'archers du comte de Sens était mieux approvisionnée que celle du duc de Champagne. Ces braves chevaliers eurent aussi un impact important qui fit basculer la bataille en faveur de Laurent. Il fit son retour sous les remparts de Troyes, et la prise de cette capitale renforça la position des rebelles. En face, les loyalistes du duc enchaînent les tentatives désespérées. Il tenta le siège de Rethel, mais fut rattrapé par l'armée révoltée, et perdit à nouveau lors de la bataille de Reims. Le comte Laurent organisa le siège de la cité du Sacre des Rois, mais demanda à ses hommes de rester respectueux de la ville dirigée par un homme de Dieu. Pour le comte, sa piété ne devait pas être entachée durant cette guerre. Le duc de Champagne, voulant à tout prix conserver ses titres, assiégea la tour de Wepoche par provocation. Cependant, le comte Laurent fit preuve de plus de ruse que son adversaire. Il organisa un banquet à Sens lors duquel il invita un grand nombre des vassaux hésitants du duc de Champagne. Le duc, ne pouvant tolérer une telle humiliation, se rua vers Sens, exactement comme l'avait prévu le comte Laurent. Étienne de Champagne fut accueilli par les armées rebelles lors de la seconde bataille de Sens et fut vaincu. Plusieurs escarmouches eurent lieu, mais dans les faits, la seconde bataille de Sens avait marqué la victoire des révoltés, qui négocièrent avec la maison de Blois. En mars 1082, après 4 ans de violents conflits en Champagne, la bataille finale du château Thierry eut lieu entre l'armée du comte Laurent et les quelques bataillons restants de l'armée champenoise. L'ultime défaite de la maison de Blois força Étienne à céder à Laurent de la tour de Wepoche le duché de Champagne. Laurent était devenu duc. En l'espace d'une vie, ce simple chevalier fieffé parvint l'exploit de se voir octroyer un comté, puis d'obtenir un duché par les armes. Une folle légende que ne manque pas de rappeler les livres d'histoire aujourd'hui, puisqu'il s'agit sans aucun doute d'une exception dans toute l'Europe médiévale. L'ambition de Laurent s'était adoucie. L'âge lui avait fait entendre raison, et ces dernières années le virent assurer un héritage solide à son fils. Le nouveau duc de Champagne mit en place plusieurs mesures. Tout d'abord, il vida ses geôles en rançonnant les nombreux prisonniers de ses 4 années de guerre. Il nomma de nouveaux conseillers afin d'y inclure ses nouveaux vassaux, mais écarta son allié de toujours, le comte de Rethel, acte qui, à ce jour, reste inexpliqué par nos historiens. Même après avoir été renversé, le comte Étienne de Blois était une nuisance pour le duc Laurent. En effet, il représentait non seulement une menace de par ses revendications, mais aussi par ses alliances multiples. Dès lors, le duc Laurent chercha à confisquer ses terres par tous les moyens. Il décida également de nouer de nouvelles alliances, par exemple avec la maison de Vexin-Amiens, des comtes de Valois. Laurent fut à l'origine d'immenses travaux dans l'ensemble du duché, entendant bien faire du duché de Champagne le domaine le plus riche du royaume. Pour cela, son expérience de la manipulation de l'argent lui fut très utile, notamment en ce qui concerne l'imposition de taxes sur les foires de Champagne, très prospères au XIe siècle. Ou encore, par exemple, sur la construction de ponts à péage au-dessus des cours d'eau du domaine. C'est ce que nous confirme Jean Dupuis-Dussac, chroniqueur de l'archevêque de Reims. Enfin, déjà âgé, Laurent de la Tour de Wepoche effectua un pèlerinage jusqu'à Rome, où il fit la rencontre du pape Alexandre III. Son retour fit forte impression, et on dit qu'il ramena de nombreuses découvertes de son voyage en Italie. Au XIe siècle, l'Église était très conciliante avec les seigneurs européens. Aussi, le duc Laurent, qui était reconnu pour sa très grande piété, se vit offrir par le pape de nombreuses gratifications en or tout au long de sa vie. Sa rencontre avec Alexandre III lui permit de faire l'objet d'un quasi-culte de son vivant. Laurent sut faire bon usage de l'or de l'Église. Il fonda en 1091 l'abbaye d'Aube et accorda une charte qui vit l'émergence de la cité de Bar-sur-Seine. Lors de la seconde partie de la vie de Laurent de la Tour de Wepoche, il ne participa qu'à une seule guerre offensive, la conquête du comté de Langres. La toute-puissance de la maison de Wepoche fut prouvée lors d'une bataille éclair à Troyes, puis d'un siège de Langres. Ces combats auront raison du comte et étendront à nouveau les frontières du duché de Champagne. Le duc n'hésita cependant pas à répondre aux appels à l'aide de ses précieux alliés. Dans le nord de la France, son vassal le comte de Rethel conquit le Vermandois, et son allié le comte de Valois de la maison Vexin-Amiens s'empara de Clermont, tous deux aidés par le duc. Le dernier représentant de la maison de Blois était Philippe, duc d'Orléans. Il négocia une alliance avec le duc de Toulouse contre la maison de Wepoche et lui déclara la guerre dans le but de reprendre le titre de duc de Champagne de son défunt père. Cette guerre fut le dernier grand conflit auquel participa Laurent de Wepoche.
Il réussit à vaincre Philippe de Blois grâce à l'aide de son vieil ami, le comte de Rethel, et à la distraction des alliés toulousains du duc d'Orléans. En effet, Philippe de Blois était persuadé que ses alliés de Toulouse lui prêteraient main forte, mais ceux-ci étaient trop occupés lors d'une guerre contre la Normandie et ne se montrèrent pas. Orléans reconnut la défaite et la maison de la tour de Haut-Époche put conserver le duché de Champagne. En 1093, le vieil ami du duc, le comte de Rethel, rompit les fiançailles de sa fille avec l'héritier de la Champagne, Laurent II. D'après une source de Gargamel Pisotaille, moine chroniqueur de l'abbaye de Vitry-en-Pertois, cette rupture brutale aurait pour raison l'enfermement au couvent de la fille du comte. Pour la recherche moderne, ceci aurait constitué une punition aux relations hors mariage. Il semblerait que cette décision ait pu arranger le duc de Champagne, car on a retrouvé dans les archives pontificales de la basilique Saint-Jean de Latran les lettres que s'échangeaient fréquemment le duc Laurent et le prince Pandolfe IV de Bénévent. Ces lettres indiquent un lien d'amitié qui s'était tissé entre eux depuis le pèlerinage de Laurent à Rome, où ils s'étaient rencontrés. Leur relation épistolaire nous renseigne enfin sur l'alliance qu'ils signèrent par le mariage entre l'héritier de la maison de Haut-Époge, Laurent II du nom, et la fille du prince lombard de Sicile. Laurent de la tour de Haut-Époge vécut assez longtemps pour assister à la disparition du roi Philippe. Il fut suivi sur le trône par son fils aîné, le prince Henri, qui devint le roi Henri II le lépreux. Sa santé fragile l'emporta malheureusement quelques années après, et il légua le royaume à Henri III, encore enfant à l'époque. Ainsi, quelques mois avant la disparition du duc, la dynastie duc Capet, installée depuis 987, fut chassée du trône. Soutenue par les grands du royaume, Simon de Vexin-Amiens fut élu roi en déposant le jeune Henri III. Laurent Ier de la tour de Haut-Époge, duc de Champagne, expire le 11 juin 1109, comme le notifie l'archevêque de Reims. Son âge avancé de 69 ans constitue une prouesse pour un homme de guerre de l'époque. Dans son testament, toutes ses possessions, y compris son duché, revinrent à son fils unique, Laurent II de la tour de Haut-Époge. Perfect.